Agnibi TV, la première télévision régionale de proximité sur le Bouquin. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Agnibi TV. Merci de vous être venus sur notre canal. Vous êtes sur la télévision de proximité de la région de la Agnibi Thiassa. Au sommet de cette édition, présentation de vœux de nouvel an au conseil départemental de Thiassa. Le président Martial a sondé et va à saisir l'occasion pour faire le bilan de ses 5 dernières années de politique à la tête de ce conseil. Rubino, un village pour deux chefs. On ne sait plus qui est voté dans ce village. Élection municipale à Amélie. Les choses se précisent. Adamo Bitogo et Yavo François lognent tous deux le fauteuil du maire Albert Acho Ucho, la guerre des trois locales. Nous vous le disons en titre. Dans le département de Thiassané, il y a eu présentation de vœux de nouvel an au président du conseil départemental de Thiassané. La cérémonie s'est déroulée dans le village de Boussoukro. Le président Eba Assandé, à la tête de ce conseil départemental, a saisi cette occasion pour féliciter ses collaborateurs à qui il a également parlé des élections à venir. Je pense que ce que nous avons fait, c'est vrai que ce n'est pas orgueilleux de le dire, et je dis, c'est vrai, faites et laissez dire. Mais à un moment donné aussi, il faut le dire pour que les autres comprennent, parce qu'ils pensent que ne pas le dire, c'est comme si on ne fait rien. C'est comme si on ne fait rien. Et je voudrais qu'on compare ceux qui ont, moins, enfin, qui ont fait pour la politique, qui ont suivi ce département de Thiassané, n'ont qu'à faire de comparaison avec les 5 petites années que nous venons de passer pour s'en rendre compte qu'il y a quelque chose. Quand on prend le panorama de notre département, les 4 sous-préfectures, et je voudrais rendre hommage à celui qui a permis pour que ce département de Thiassané était une boule difficile à traîner. On a pu le saucissonner. Moi, je me suis battu depuis longtemps pour qu'on ait, j'ai dit, chaque sous-région doit être autonome, de faire en sorte que votre sous-préfecture aille de l'avant et non de la tirer vers le bas en cherchant les honneurs, en cherchant des places, ronflant à la tête et ne rien faire. Aujourd'hui, les investissements qu'on a pu réaliser pour un montant total d'1,7 milliard, en ajoutant 2018 pour 200, presque 250 millions, c'est éloquent. Nous sommes heureux. On ne met pas, on n'a pas mis dans nos poches. On ne s'est pas distribué le peu d'argent, les 700, presque 50 millions qu'on nous donne pour 4 départements, on ne s'est pas distribué. Je vous en prie, bien au contraire, ça nous a rendu pauvres. On va aller aux élections. Je pense que les 5 premières années ont été dans un autre environnement, dans un autre contexte. Et si on s'engage personnellement, individuellement, avec conscience et responsabilité. Il y a le président à dire, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas, nous allons partir, on va gagner. C'est ça, sinon ça ne sert à rien de partir. Si on a gagné le cœur des gens, il n'y a pas de raison que nous puissions échouer. Département d'Argoville, Rubino, un village, deux chefs. On ne sait plus qui écouter dans ce village. Rubino, perdu au cœur de la forêt. Rubino, perdu au cœur de la forêt au nord du pays Abin. Ce vieux village du pays Abin n'a pas que son nom comme identité remarquable. Dans ce village, on ne sait qui écouter. Aussi vrai que le ciel est bleu, dans ce village, on ne parle plus de la même voix. Il sévit ici dans ce village un sérieux problème de chefferie. Depuis le décès du chef, c'est la cacophonie dans ce village. Le chef intérimaire qui a peu goût aux délices du pouvoir, refuse de quitter la chaise royale qu'il a pourtant l'obligation de céder
au chef, au nouveau chef du village, dit-on, choisi et oué par le tenant des titres des anciens et dépositaire absolu des titres, des pouvoirs culturels et traditionnels. Boni Policier et Kofi Kofi Honoré se disputent la chaise royale, la chaise du chef de ce village, la chaise du chef de ce vieux village. Le préfet de région qui ne peut accepter ce désordre institutionnel demande une enquête, disons, de commodo et incommodo auprès de population pour donner à Rubino le chef qu'il lui faut. Municipale à Agoville. Un combat de titans se profile à l'horizon. La bataille s'annonce bien rude. Adama Bitogo, Yavo François, deux grosses pointures de la scène politique d'Agoville, autour du maire sortant. Disons que la guerre des trois aura bel et bien lieu. Autre chose dans ce département, l'hôtel de ville d'Agoville fait sa toilette. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La salle de fête d'Agboville, ce joyau architectural hier abandonné dans l'impureté de sa belle tenue d'hier, de sa belle tenue maculée par les effets du temps. Ce bâtiment mythique fait aujourd'hui sa toilette. Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher, pour ainsi dire, sinon que se passe-t-il? Une toilette des grands jours, une toilette des jours heureux, un bain de prince pour dire la chose de cette façon, comme pour aller au bal, à l'honneur des honorables de la cité. C'est une belle toilette, une très belle toilette des jours heureux que l'on fait faire aujourd'hui en cette année 2018 à ce bâtiment, hier fleuron de l'architecture à Agoville. Si à en croire certains, cette volonté manifeste, subite, de restaurer ce bâtiment, de restaurer la beauté de ce bâtiment, vient cette année électorale. Il faudra croire que toutes les maisons de ce centre-ville pourront espérer à leur tour de nouvelles couches de peinture sur leurs murs. Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Gardez le sourire. Restez connectés. Dieu vous bénisse.